Bonjour et bienvenue au premier vidéo des Géomordus. Mon nom est Son Pouki et j'ai décidé de faire une série de vidéos sur le géocaching en français. Pourquoi? Parce que j'ai vu que sur YouTube, il y avait beaucoup de vidéos sur le géocaching, la plupart en anglais, presque rien en français. Alors, je vais expliquer vraiment toute la base du géocaching. Comment créer une cache, comment chercher une cache, comment loguer une cache. Les travel bugs, les géocoins, comment tout la base sur le géocaching. Alors, pour débuter, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que le géocaching? Premièrement, le géocaching, c'est une chasse au trésor mondial qui se fait à partir de votre ordinateur et d'un GPS. Ce que vous devez faire, c'est aller vous inscrire sur le site www.geocaching.com. C'est totalement gratuit. Et ensuite, ce que vous faites, c'est vous écrivez votre adresse et vous regardez les caches qui sont dans votre environnement. C'est-à-dire les caches qui sont proches de votre maison, votre chalet, dans les sentiers où vous allez vous promener. Et vous allez vous rendre compte très vite que des caches, il y en a beaucoup et probablement plus proches de chez vous que vous le pensez. Ce que vous faites, c'est que vous prenez la coordonnée de la cache, vous la rentrez dans votre GPS et c'est tout. Vous êtes prêt à partir à l'aventure. Qu'est-ce qu'une cache? Une cache, c'est un contenant qui peut être aussi gros, aussi petit qu'un dé à coude ou aussi gros qu'un ammo box. Un ammo box, c'est une boîte de munitions qui sont cachées dans l'environnement. Elles sont vraiment faites pour se dissimuler dans l'environnement. Certaines d'entre elles sont excessivement dures à trouver. Surtout ceux qui sont grosses comme un dé à coude dans une forêt, ça peut être très très dur à trouver. Le but, c'est qu'une fois que vous avez trouvé la cache, dedans chaque cache, il y a un logbook. Un logbook, un carnet de visite, dans le fond. Ce que vous faites, c'est que vous signez votre nom de géocacheur dans le logbook, ainsi que la date de la journée. Et voilà, c'est tout. Vous retournez chez vous, vous allez sur votre ordinateur, vous retournez sur le site de géocaching, vous trouvez la cache en question que vous avez trouvée, et vous la loguez comme trouvé. Alors, le propriétaire de la cache sait que vous l'avez trouvé. Et vous, ben, ça vous fait un found de plus. Vous allez voir dans les vidéos que je vais faire, il y a beaucoup d'anglicistes que je vais utiliser. Je sais que j'ai dit que je fais les vidéos en français, mais il y a beaucoup de termes dans le géocaching qu'on utilise qui sont vraiment anglais, comme les travel bugs, les géocoins. Ce sont tous des termes qu'on utilise, mais on les utilise en français aussi. Alors, dites-moi pas que j'utilise les termes en anglais. Je le sais que je les ai utilisés, c'est qu'on les utilise dans le géocaching de toute façon. Alors, c'était ça pour débuter. Alors, c'était Son Pouki pour les Géomordus. À la prochaine!